Moment de communion entre Sénégalais en Côte d'Ivoire. En marge de la visite du Premier ministre japonais à Abidjan, le chef de l'État du Sénégal, Macky Sall, est allé à la rencontre de ses compatriotes vivant en Côte d'Ivoire. Plus de 500 représentants de divers secteurs de la diaspora sénégalaise venant des différentes communes du district d'Abidjan se sont mobilisés pour réserver un accueil chaleureux à leur président, à la salle des fêtes de la mairie de Cocody. Une visite saluée par le premier magistrat de la commune. Nous sommes très honorés, vraiment honorés. C'est la première fois depuis que l'hôtel communal a pris cette dimension qu'un chef d'État vienne jusqu'ici nous rendre visite. Ça veut dire que demain, le président Alassane sera là. Les différents intervenants ont égrené un chapelet de doléances. Il s'agit d'une part de l'obtention de fonds pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des Sénégalais vivant en Côte d'Ivoire et de financement de projets d'autre part. Le président du Sénégal, Macky Sall, a expliqué à ses compatriotes ses ambitions pour le Sénégal à travers le plan Sénégal émergent. Cette rencontre qui n'est pas nouvelle m'a permis de revoir mes compatriotes et de m'enquérir de leurs préoccupations, de leurs conditions de vie. Ils sont très heureux, comme vous le savez, d'être en Côte d'Ivoire. Ils m'ont chargé d'ailleurs d'être leur interprète auprès de son excellence le président Alassane Ouattara, du peuple et du gouvernement ivoirien pour exprimer leur gratitude par rapport à leurs conditions de vie ici en Côte d'Ivoire. Après cette rencontre, le président sénégalais a pris part à la rencontre entre le chef d'État de la CEDEAO et le premier ministre japonais.